vais te parler de Johnny, mais pas celui que tu crois. Il vivait aux États-Unis, sa vie fut une affaire de choix. Il était habillé de noir, un visage taillé à la hache, chantait voûté sur sa guitare, il s'appelait Johnny Cash. Le mont noir avait un frère qui est mort pour un dollar d'un coup de scie circulaire. En plein cœur de l'espoir, il a fui les champs de misère pour une existence à l'arrache. La vie, faut pas la laisser faire si tu veux qu'elle te paye cash. Bientôt l'Amérique entendit la voix de l'homme et ses paroles qui racontaient les insoumis, les rebelles et les nuits d'alcool. Avec le King et Jerry Lee, il a parcouru sans relâche les routes des États-Unis jusqu'à ce que son cœur lâche. Peut-être un enfer, l'amour aussi faisait le vide. Le mont noir aimait June Carter, elle le sauva de la folie et son cœur se remit en marche. Il retrouva goût à la vie, il survécut à son crash. Le pélican et le folsom, les champs de coton d'Arkansas, la maison blanche à Washington, il a partout laissé des traces. Quand June est morte, il l'a suivie. Sur terre, il n'avait plus d'attache. Le mont noir, près de Jésus-Christ. Ouais, c'est bien lui, c'est Johnny Cash.